Salut, c'est Benoît de videogamecreation.fr. Dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à installer Unity 3D sur Windows et sur Mac, sachant que les deux méthodes sont identiques sur les deux plateformes. Vous allez aller sur le site unity3d.com. Une fois sur le site, cliquez sur le bouton Télécharger Unity. Cliquez sur le bouton Try Personal pour télécharger la version gratuite. Sachant que la version est gratuite pour les étudiants, les amateurs, les développeurs indépendants, et la version est payante si votre revenu dépasse 100 000 $ de chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas-là, il vous faut prendre la version pro qui est payante. Cliquez sur le bouton Accept Terms, puis sur le bouton Download Installer for Windows ou for Mac. Ouvrez le téléchargement, cliquez sur Oui. Cliquez sur Next, cliquez Accept Terms Conditions, cliquez sur Next, puis choisissez les modules que vous souhaitez installer. Alors, par défaut, il vous faut installer évidemment Unity 2018, la documentation, mais aussi surtout Microsoft Visual Studio Community, qui est gratuit. Il vous permettra d'éditer les scripts en C#. Ensuite, si vous voulez exporter votre jeu sur différentes plateformes, vous cochez un des supports affichés. Pour nous, on va prendre simplement la version Windows pour exporter un .exe. Une fois tout sélectionné, cliquez sur Next, sachant que la taille de téléchargement dépend du nombre de modules que vous avez sélectionné. Donc choisissez le dossier de destination pour le téléchargement, puis le dossier d'installation de Unity. Je vous conseille de laisser par défaut. Et cliquez sur Next. Voilà, donc Visual Studio va s'installer, cochez la case et cliquez sur Next. Alors, le temps de téléchargement dépend évidemment du nombre de modules que vous avez sélectionnés. Donc, soyez patient, ça peut prendre énormément de temps, surtout si vous n'avez pas la fibre optique. Une fois que Unity est enfin installé, cliquez sur le bouton Finish et ouvrez Unity. Une fois Unity ouvert, on vous demande de rentrer votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte Unity, vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton Create One juste ici. Donc vous pouvez vous enregistrer. Une fois que vous avez validé votre email, vous pouvez enfin vous connecter. Donc lors de votre première connexion, Unity va vous demander de valider un formulaire de sondage. Remplissez-le, puis validez votre licence. Une fois votre licence validée, vous avez accès à Unity gratuitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Rendez-vous sur videogamecreation.fr pour en savoir davantage sur la création de jeux vidéo. À bientôt.